moi, je suis content de dire, en même temps que nous aussi, nous pouvons célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance. Nous pouvons aussi célébrer le 50e anniversaire de décision Maurice pour être membre de l'Union africaine. Depuis que je suis Premier ministre, je peux participer, bien sûr, à plusieurs rencontres qui finissent au niveau de l'Afrique. Un sommet de mon chef d'État. Et je suis capable de dire tout ce défi qui nous a relevé là, je fais moi un devoir pour être partie prenante, pour impliquer nous. Parce que malgré nous petits, mais nous avons une grande contribution pour apporter. Et vous pouvez dire qu'il y a dans la lutte contre le terrorisme, combat qui a mené contre VIH, SIDA, et une maladie qui prévaloir au niveau de l'Afrique, un problème qui peut faire face côté du monde. Mais bon, sans manger, tout cela nous interpelle. C'est pourquoi, moi, comme un Premier ministre de l'île Maurice, nous participons à apporter nos contributions. Et en même temps, comme on cause la décolonisation de Maurice, nous-mêmes, nous sommes un pays qui n'est pas encore complètement décolonisé. Parce que, les Britanniques, ils démembrent nos territoires quand ils acceptent pour nous l'indépendance. Ils possèdent notre contrôle des Sagos. Et je veux saluer et remercier tous nos confrères de l'Afrique qui peuvent soutenir à nous dans nos combats qui nous permettent et qui finissent. Soutenir à nous dans nos résolutions au niveau des Nations Unies. Moi, d'ailleurs, en contact avec plusieurs chefs d'État de l'Afrique, parce que ce combat-là aussi, il y a un combat qui va continuer. Aujourd'hui, nous sommes devant la Cour internationale de justice, et nous encore, bien sûr, besoin d'un soutien de tout le pays. Bien sûr, y compris dans le pays au niveau de l'Afrique. Donc, nous avons non seulement un lien historique, non seulement qui nous font partie de l'Afrique, mais nous avons un lien privilégié et culturel. Et nous avons un pays que nous avons une sortie dans différentes parties du monde, y compris l'Europe, la Chine, l'Inde. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait nous beauté et c'est ça qui fait nous richesse. Nous sommes capables, depuis que nous sommes sortis, un grand monde est capable de préserver notre héritage, notre richesse culturelle et capable de passer ça de génération en génération. Nous sommes capables d'assurer mon gouvernement de pouvoir faire tout pour capable de continuer à soutenir toute l'organisation et surtout nous-mêmes prendre l'initiative au niveau du gouvernement pour qu'il y ait un processus pour continuer à préserver nos richesses, nos héritages, les passes avant la génération qui peut venir. D'ailleurs, nous fiers, nous avons appelé la grande petite chose qui est capable d'unir le tout dans ce pays-là. Peu importe quand nous sortons, quand nous tout pose le créole et qui fait à nous vivre encore plus proche l'un de l'autre. Laisse-moi dire aussi qui et ça me dit à du monde, vous êtes bizarre, zisé par vous-même. Vous connaissez dans le passé, là, du monde, tu peux cause grand causé, l'eau, l'Afrique. Mais moi, je ne pas cause grand causé, mais je crois que je agir beaucoup plus que ce que les autres ont causé. Je voulais qu'au niveau de l'Afrique,
Vous pouvez faire des efforts pour qu'ils vous gagnent une relation avec beaucoup de les autres pays. Nous rapprochons encore plus. Nous avons gagné ma naissance encore plus. Et surtout, quand nous avons un partenariat au niveau économique. Et comment vous dire, vous ne pouvez pas disposer là déjà avec Côte d'Ivoire, avec Sénégal, avec Ghana, et nous explorons aussi la possibilité avec les autres pays quand nous créons une zone économique spéciale et en même temps permettre aussi l'entreprise mauricienne capable de participer, capable d'élargir l'espace économique. Le plan historique et culturel, nous venons déjà lancer le projet pour mettre en place un musée intercontinental de l'esclavage. Au cas si un autre travail peut faire, mais comme tout quelque chose, il y a un travail préliminaire qui vous a fait. Il y a un expert qui nous peut consulter. Parce que quand nous faisons aller, nous devons faire aller bien. Parce que nous-mêmes, nous avons un sens d'expertise qui vous a fait. Parce que ça, le passé, nous sommes capables de montrer à une génération qui n'a pas fini de vivre ça à ce moment-là, ou qui se connaît et véritablement dans quelle situation et dans quelles conditions mon ancêtre fin vivre dans ce pays-là et fin évoluer. Alors, je suis fier aussi qu'il y a une initiative qui nous fin prend pour préserver sa richesse qui nous fin énorme, qui nous fin hériter. Par exemple, le monde classé comme un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, récemment, le Sega Tambour de Rodrigue vient inscrire dans la liste de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Là, nous faisons demande pour qu'il Sega Chagos capable d'inscrire pareillement. Et donc, nous faisons des choses qui, tout ça là, préserver comme un visa et pas perdu avec le temps. Alors, pour terminer, par encore une fois, vous remercier surtout nos camarades Jean-François Chaumier et son équipe, le Nelson Mandela Center for African Culture Trust Fund, qui travaille bien, qui peut prendre pas mal d'initiatives, qui dans la même ligne de vision du gouvernement et qui nous fait des choses qui nous préservent la culture africaine et créole, et là, je suis capable contre nous de gagner entièrement vos supports. Merci beaucoup pour votre attention.